Caroline Margeridon séparée d'un célèbre sportif malgré leur vie de rêve, pourquoi tout est fini? Dans Affaires conclues et la chasse aux objets sur France 2, Caroline Margeridon fait sensation. Elle qui discute sans tabou de bien des sujets reste d'ordinaire discrète sur ses amours. Pour Gala, la célèbre acheteuse et brocanteuse fait de rares confidences sur les hommes de sa vie. Caroline Margeridon fait, avec Sophie Davant, Julien Cohen et François-Xavier Renaud, les beaux jours des affaires conclues, France 2. Sur les réseaux sociaux, la jolie blonde de 54 ans partage son quotidien, mais reste discrète sur sa vie amoureuse. Auprès de nos confrères du magazine Gala, celle qui se présente comme brocanteuse au célèbre marché Biron des Puces de Saint-Ouen se livre sur les hommes qui ont partagé son quotidien. Elle a longtemps fréquenté Gérald Mossé, célèbre jockey qui n'est autre que le père de ses deux enfants Alexandre, 23 ans, et Victoire, 22 ans. Et, il y a 2 ans de cela, en 2018, elle a divorcé de son dernier mari. Quand on ne s'aime plus, j'aime autant qu'on rompe. Je ne vis pas pour les avantages ou les apparences, lance celle qui s'est convertie au judaïsme, religion de tous les hommes de sa vie en 2017. Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J'avais une vie de rêve, mais ça n'allait plus entre nous. Caroline Margeridon, j'ai eu très peu d'hommes dans ma vie. Après sa belle histoire d'amour avec Gérald